Salut à toutes et à tous, aujourd'hui petite vidéo unboxing. Donc j'ai reçu un colis, je ne l'ai pas ouvert, d'habitude je les ouvre et je vous présente les armes. Là je vais l'ouvrir avec vous et c'est vous qui allez choisir quelle arme je vais présenter en premier de ce qui va sortir de ce carton, comme ça sera plutôt cool. Donc dans les commentaires n'hésitez pas à me dire ce que je présente en premier de ce qui va sortir de ce grand carton, parce qu'il y en a pas mal là-dedans. J'en aurai un autre demain, donc je ne sais pas si je vais pas m'amuser. Tiens, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'à chaque fois que je reçois un carton je fasse une vidéo. Ça peut être cool, ça peut être un délire, ok. Et je les appelle déballage. Déballage 1, déballage 2, déballage 3, déballage 4. Voilà, ok. Alors oui, je sais qu'il y en a qui aiment pas que je dise unboxing, d'accord. D'accord, on va faire ouverture de boîte. Voilà. C'est pas une boîte, c'est un carton. Alors, on va ouvrir ça ensemble, sans couper des trucs qui sont dedans, parce que ça serait un peu bête. Et c'est vous qui me direz ce qu'il faut que je prenne en premier. Donc j'aimerais aussi vous rappeler qu'il y a des liens dans la description. D'ailleurs, je mettrai tous les liens des armes qui sont dans ce carton dans la description. Oh, je vois des beaux trucs là. Oh, moi, je vois, mais toi, tu vois pas. Non, bah, reste là. Tu restes. Putain, tu vas t'abonner aussi parce que ça m'emmerde ça aussi là. Et tu vas mettre un pouce vers le haut. C'est pas compliqué, hein, un putain de pouce vers le haut. Tu t'abonnes, tu mets un pouce. Et tu viens le dimanche, il y a des cadeaux à gagner. Si t'es pas abonné, tu peux pas gagner. On se donne du mal pour vous et tout. Cette chaîne, c'est que le début, on est bientôt 7000. Imagine-toi, partage à tes amis, à ta grand-mère, ton grand-père, ton chat aussi, je suis sûr que tu peux lui faire un compte YouTube. Des lunettes, bon ça je vais pas vous le présenter, je vous un peu. Mais c'est bien parce que j'en avais détruit je sais pas combien en fait, en faisant des tirs. D'ailleurs c'est une vidéo qu'il faudrait que vous sortiez, hein. On avait fait ça, on avait testé voir comment résister les lunettes de protection jaune. Oh la classe. Et comme Pascal au bistrot. Ouais, non. Ok, j'ai compris. T'aimes pas. Allez, pas de problème. Ah, il y a de la chose là-dedans. Donc, de la billasse. De la billasse en 43, comme ça. Bon, ça, je vais pas vous présenter des billes. Des cibles. Ça, c'est bien ça. Des flèches-ailles. Alors, c'est des plus petites que celle-là. Tu vois. Donc, t'imagines ce qui va sortir du carton. Ou pas. Tu commences à. Des douilles pour des plombs. Ok. Des sparklettes de CO2. J'en ai déjà 3 millions. Ok. Alors. Ah! J'ai une tes souhaits dans la place. C'est vous qui décidez, hein, ce que je mets dans la prochaine vidéo. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Oh, il y en a qui vont aimer là. C'est de toute beauté. Oh. Alors, c'est un Dan Wesson en. C'est quoi celui-là? C'est le 715 à plomb! Celui-là. C'est du plomb, c'est du pelets. Putain la vache, il y a la sécurité là, c'est pas possible, ouais. Je me dis aussi. Ok, 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 ok. Bon bah, ouais. Beau. Joli, c'est pourquoi faire ça. On peut l'équiper avec un truc comme ça. Mais je l'ai pas ça. Est-ce que vous voulez que je commande? Ça peut être fou. Ça fait un flingue de Clint Eastwood. Version moderne, bien sûr. Un speed loader, les douilles, ok. En plus, c'est les douilles par l'arrière en plus, je crois. Oh oui, excellent. Tu mets ton plomb là, paf. Il y en a déjà là-dedans, non? Non, fais voir. Oh, ça glisse tout seul. Extracteur. Ah, oh, j'adore. Ah, il est beau. Franchement, il est beau, là. Ok, donc ça, vous me direz. Je pense qu'il y a des gros fans, hein. Le plus puissant de tous les souffleurs. Ah, c'est beau. Ah, j'adore, moi. Attends. J'ai lancé un débat l'autre jour sur vous préférez les revolvers ou les pistolets. Ça a été un petit peu ah, c'est un petit peu les deux, je crois. Je vais mettre bien les deux. Donc alors, ce 715, on va le poser là.
sais pas si t'as remarqué, mais j'ai plus de place derrière. Ouh, qu'est-ce que c'est ça? CP1M Artemis. Alors, on bouge pas, comment on ouvre ça, la bait? Ils font des boîtes bizarres, Artemis, ils sont sérieux ou pas? Ils savent pas faire une boîte rectangle ou quoi? Ils font des économies de carton? C'est comment? Ouais. En commentaire, mais bon, à un moment donné, les gars. Je sais pas, faites un rectangle quoi. Ah, du polystyrène, on aime ça. Je sais qu'il y en avait pas mal qui m'avaient demandé celui-ci. C'est beau. Comment on le prend? Petit varier. Petite hausse réglable. Bon, il y a qu'un truc que j'aime pas trop, je vous le dis, mais c'est ça, mais pourquoi pas pour poser à plate. Non, ça va vers le haut. Ouais, c'est joli. Ah, Artemis, c'est quoi celui-là? CP1M. Et j'ai pris un barillet de rechange parce que j'avais la flemme de mettre des barillets toutes les 5 minutes. Alors bon, voilà. Comme c'est 8 coups, je crois, ou 6 coups, je sais plus. Voilà. Ça fait 6 joules, je crois. Rapid plate. Pellets 4-5-5-5. Bon, il va falloir que j'étudie ça, tu vois. Je m'étonnerais qu'il fasse du... Ah non, c'est un 4-5, d'accord, ok, parce qu'il existe en 5-5. Je suis en train de me dire... Donc, pour l'instant, on a le petit Dano Esson à plomb, à pellets. On devrait mettre plus de plastique. Il va être content, les écologistes. Ouais, trop de plastique dans tes unboxings. Alors, des biberons de billes. Oh, ben ça va, calme-toi, Jonathan. Ah, t'as cru que j'allais faire quoi? Un stand de promotion quoi? J'allais faire une brocante? Bon. Bon, ben, on aura de la débile, hein, qu'est-ce que tu veux. 2, 3, 4, 5. Ouais, ok, c'est pas comme si j'en avais déjà 500, quoi. Bon, c'est pas grave. Là-dedans, il y a quoi là-dedans? Ouh, des pellets. 500 pellets, là-dedans. Alors, des roquettes gamo. Oh, c'est beau. C'est beau ou pas? C'est beau, c'est pas beau ou c'est beau? C'est beau, je crois, non? Ouh. Donc, roquette. Hein, ça va roqueter, je te le dis. Alors, des Red Fire. Ils ont dit que la tête était indestructible. Tu parles. Ouh. Ouh, c'est beau aussi. Ça aussi. Alors, forcément, j'ai acheté que des trucs pour perforer des gens. En fait. Alors, il y en a plein, en fait. Bon, ça, c'est des plats. Ouais, je serais là, je serais plus aller les faire fondre pour en faire des plombs de pêche. Alors, et j'ai repris des petits létales en 36 grammes. Voilà, j'ai pris des trucs. Mais ceux-là, ils vont finir avec les autres plats. On va couler des plombs de pêche pour la carpe. Hop, ça dégage. Alors, bon de commande, ça, moi, je m'en fous, je paye pas. Alors, oh, des cartouches de CO2, putain. J'en ai pas assez non plus. Un tube de lubrifiant. Alors c'est ou pour la bralette ou si tu regardes BFM TV. Je sais pas, c'est comme tu veux. Voilà. J'ai pas coupé ici. Oh, solide steel stick. Ah oui, j'ai des télescopiques aussi. Parce que mais bien, les gars, les télescopiques, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Oh putain, celle-là est grande. C'est une batte de baseball en fait. C'est combien de centimètres ça? Bah oui! Bah celle-là, mon petit père, blague pas! Hein. C'est la Mimimati! C'est la Zurok! Nous allons croiser le fer. Putain, celle-là. Putain, mais par contre. Bon, ok, donc ça, on a un stick, voilà. Wield stick. Qui c'est qui vend ça? Solid steel.
C'est quoi, on va les éclater contre des buissons et tout, contre, non, contre des planches et des parpaings, on va voir si c'est solide. Bah, déjà, rentre plus dans la boîte. Eh, hey, il y a une housse avec. Oh, c'est beau. C'est bien présenté quand même. Hop. Ça, ça dégage. Ça, c'est la même, je pense, mais en plus petit. En modèle, mini modèle, avec la housse, pareil. Et je crois que ça doit coûter 20 balles, ça, un truc comme ça. Si franchement elles sont solides au test, je valide. Hein. En plus, t'as un petit pas de vis, tu peux mettre un brise-vitre. Ah oui, plus compact. Ça, c'est pour les couloirs. Ou dans les lieux restreints, pas mal. L'autre, c'est quand tu sors ton domicile. Wow. Vous allez vous dire, le mec, il en a dans son garage, il peut tenir une ville. C'est le but, c'est de faire un siège. Alors, quoi là? Un porte-cible? Oui, c'est vrai que bon, j'ai eu des soucis avec l'ancien. C'est avéré qu'elle a pris du 5-5 en 60 joules, une arbalète, ouais. Il était temps. Merci, yo, c'est gentil. Je vais lui mettre la même gueule qu'à l'autre. Voilà. On pourra m'en renvoyer une dans quelques semaines, celle-là sera morte. Là, il y a quoi là? C'est plus costaud que. Oh! Une arbalète! C'est la même que j'ai en fait, mais en neuve. Parce que la mienne, elle est fatiguée. C'est pour ça le tube de paraffine, là, de cire, là. Voilà. Alors, il va falloir mettre ça dedans, comme d'habitude. Tac, tu mets ça comme ça. Hop, tu tires dessus ou dans l'autre sens, je sais plus. Ouais, ça doit être ça, voilà, ouais. T'as les traits. Et ça, c'est une 80 livres, tu vois. Et on va la monter ensemble. Je fais une vidéo exprès pour cette petite arbalète. 80 livres, ça pique, attention, ça perce quelqu'un. Hein. C'est la même que celle-là, regarde. Bon, celle-là, elle a mal. Elle a pris de la mousse PU, bon, elle a mal vieilli. Voilà. Mais elle perce quand même des gens. Regarde, c'est pas beau, là? C'est beau, mais je sais. Donc, du coup, alors, on a les accessoires, les trucs. Donc, ça, ok, ça sera remonté, je sais pas quand, d'ailleurs. Alors, waouh, putain, elle est grosse la boîte! Attends, il y a encore une. Ah, un barillet supplémentaire pour le CP1M. Une autre matraque télescopique. Ça, c'est qui ça? Made in. Bon, on sait d'où ça vient de toute façon. Oh, police! Putain! Ça se dévisse! Oui, jamais vu ça! C'est un flingue? Non, je rigole. ouais, mais je savais pas qu'on pouvait dévisser le bout. Ok. Bah, écoute, on apprend quelque chose encore aujourd'hui. C'est une spéciale police. Si tu te fais arrêter quand t'as défoncé quelqu'un, tu dis ouais, mais c'est spécial police using. Voilà. Et là, t'as ton alibi. Ça coche? Bon, faudra qu'on les teste. Hein. On va acheter des parpaings et tout. Là, on va trouver des trucs solides. Non, pas la télé, la pauvre, elle est déjà prise. On va faire la télé, parce que sinon... Oh, il y a des conneries. Ah, c'est quoi, ça? Ah, maman. Ah, on est gâtés, hein. Attendez, je vais la sortir, ça va plus vite. Ah ouais. Rigolo, ça, j'aime. Ah, un baby loader. Allez, viens là, quoi. Jeune Kalash. Putain, mais à quelle heure? C'est un carton. C'est un carton pour la vol ou quoi? Ah. Rien d'autre dedans? Mode d'emploi. Ça va vous plaire, ça, non? Non, là, dis-moi que ça va te plaire. Rafalé, là. Et, hein. Oh! Full auto, sécurité.
Simple action, enfin, ouais, semi-auto et rafale. C'est beau. On peut la customiser aussi, on peut mettre des silencieux et tout. Regarde ça. Oh, organe de visée. Ah, là, ça, j'aime ça. Oh, oui. Oh, oui. Ouh, c'est réglable, ça. Bien comme il faut. Oh, oui. Oui, ça, j'aime ça. Putain, ça, il y en a plein qui vont me dire, mais qu'à vite, présente-la, celle-là. Ben voilà. Et demain, il y aura un autre colis. Alors, est-ce que tu veux que je te montre l'autre colis demain? Putain, c'est beau. Putain, mais tu mets combien d'accessoires là-dessus là? 1, 2, 3, 4, 5, 12. Il y en a qui vont s'y croire avec ça, là. Je te le dis, là. Bon, déjà, je m'y crois. En plus, t'as mis un peu, là. Regarde-moi ça. Attends, c'est où qu'il y a le bouton? Comment on plie ça, là? Ah. C'est pas trop ouf, en fait. Bon, ça tient pas, mais... Épaulage! Il y en a qui vont trop s'y croire, en fait, je suis sûr. Moi, tu ne me donnes pas ça, moi. Hey, mais c'est pour ça qu'il m'a envoyé autant de biberons, en fait. Il savait qu'avec ça, c'était pas possible. Il savait qu'avec ça, j'allais... Putain, c'est beau. C'est quand même bien. Putain, il y a du poids, quand même, hein. J'attends la MP car... Oh non, faut pas que je vous le dise. Pardon, excusez-moi. Bon, ok, pas mal. Ok, on va la mettre en sécu. Dans le pompier. Ok. Bah écoute, ce qu'on peut faire, c'est que bah, tu t'abonnes, et puis vous me dites dans les commentaires ce que je présente en premier. Donc il y a ça, il y a ça, c'est du plomb, il y a ça, plomb, il y a l'arbalète, après on s'en fout, aussi, des matraques après, vraiment que tu fasses une émission spéciale, putain mais il y a combien de matraques en fait? Et où l'autre? J'ai perdu une. Allez, là. Matraque! 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 Tonfa! Non, mais je n'ai pas encore reçu, calme-toi pour le tonfa. Bah voilà, je pense qu'on a tout dit. Hein. Voilà, j'ai tout déballé. Bon, me dites. C'est vous qui voyez, ok? Pense à t'abonner, à laisser un petit pouce. Oh, je présente très bien celui-là, moi. Après, perso, voilà, après, vous faites comme vous voulez. Moi, je. Précision shooting. Rapid plates. Par contre, encore une fois, ils ont fait la boîte vraiment, ils font les économies, les mecs. Hein. On voit que c'est fabriqué en Turquie, ça. Hein, sans déconner. Putain, ils peuvent pas faire une boîte rectangle. Les mecs, ils ont pile poil la forme. Hein, les casques, ils pas trop de carton. Hein. Voilà, donc vous me dites, et puis bah voilà, ou même l'arbalète, hein. Je peux la monter, ça va vite, en hein. 2-2, c'est fait. Hein. Vous faites le tuto montage. Pas tire dans le. Dans je sais pas quoi d'ailleurs. C'est propre. Voilà. Puis demain, je reçois d'autres. Demain, je te referai une vidéo, mais je te la posterai dans après-demain, en fait. Il y a plein de trucs hein, cette semaine. Hein. Ouais. Voilà. Merci à vous. Portez-vous bien. Tchuss.